Bart court un grave danger dans Demain nous appartient. En effet, Héloïse, la sœur jumelle maléfique d'Adèle, est loin d'en avoir fini avec le gérant du Spoon. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. L'avenir de Bart, Hector Langevin, s'annonce plus que jamais incertain dans Demain nous appartient. Il faut dire que le jeune homme est depuis quelques jours la cible de Loïs de Vilduc, Aliénor Bouvier, la sœur jumelle maléfique d'Adèle. En effet, il ne fait désormais plus aucun doute que la jeune femme est belle et bien à l'origine des meurtres de Teddy Fournier et de Fabio, et du sabotage de la voiture de Bart. Si Héloïse s'en prend à tous les hommes qui partagent la vie de sa sœur, ses motivations restent cependant encore inconnues. Ce qui est en revanche certain, c'est qu'Héloïse n'a pas l'intention de laisser Bart tranquille au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien TF1 et qu'elle pourrait même finir le travail qu'elle a commencé. Bart bientôt sorti des U-coma. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme MyTF1, Adèle est au chevet de Bart toujours plongée dans le coma. Lorsqu'elle les rejoint, Victoire annonce une bonne nouvelle à Adèle. « Je viens de recevoir ses derniers résultats d'examen », explique le docteur Lazari avant de poursuivre, « ses fonctions vitales sont intactes et son hématome sous-dural s'est enfin résorbé. » Bart devrait donc sortir progressivement de son coma artificiel et se réveiller dans les heures voire les jours qui viennent. Si cette nouvelle devrait la réjouir, Adèle semble plutôt contrariée. Et pour cause, il s'agit en réalité d'Héloïse, sa sœur jumelle. Mais en grave danger selon les informations de News Actual, Bart court donc un grave danger. Comprenant qu'elle a raté son coup, Héloïse va s'introduire à nouveau dans la chambre de Bart dans l'épisode qui sera diffusé ce vendredi 27 octobre. Après avoir fermé les volets, elle va lui murmurer quelques mots qui font froid dans le dos. Je ne comprends pas ce que ma sœur peut bien te trouver. Tu n'es pas plus spécial que les autres et tu vas finir comme eux. Héloïse va ensuite récupérer dans son sac à main une seringue contenant du poison et s'apprêter à l'injecter dans la perfusion de Bart. Héloïse parviendra-t-elle à ses fins? Bart va-t-il mourir? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.